Good morgen, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui le Lunishmat, François Frédéric Ben Chana, Janine Ruth Bafort de Mazafridna, Claude Shlomo Ben Shalom et Avram Ben Yitzhak Vefani. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Kiddushin, Perek Gimel, Mishnah Vav. Aomer li sha'arat mgudeshet li, almenat sha'adaber alaïch la shilton, vese imach kepoel. דיבר עליה לשלטון ועשה עם הכפועל מקודשת ועם לב אין המקודשת. על מנת שירצה אבא, רצה האב מקודשת ועם לב אין המקודשת, מת האב, הרי זו מקודשת. מת הבן מלמדין האב לומר שאינו רוצה. Une nouvelle משנה qui va parler des tnaïm, des conditions du mariage avec conditions. On va traduire d'abord la Mishnah, on va soulever une problématique, puis après on va réinterpréter la Mishnah de manière plus juste, comme le Barthénon rapporte au nom de la Gemara. D'abord, on traduit à Omer Leisha Arat Mugudeshet. Celui qui dit à une femme, je te marie, Almenat She Adaber Alaïch La Shilton, à condition que je vais parler avec toi, avec le gouverneur. Ou bien, Vese Imar Kapoel. Ou bien, je vais faire pour toi comme un poel. Je vais faire, je vais te réaliser un certain travail. Tu veux que je te répare, que je te peigne ton salon, alors je te peins ton salon. Alors, la Mishnah vient m'enseigner une halakha relativement évidente, mais coup d'échette. Diber alé alé shilton, mais asaïma kapoel. Si effectivement, ensuite, il est parti parler au gouverneur en sa faveur pour lui faire une réduction, le rabbin ajoute même que c'était la condition, que je vais te baisser tes impôts. Et il est parti et le gouverneur a baissé les impôts, par exemple. Ou bien encore, mais asaïma kapoel, il a effectivement fait le travail qu'elle lui avait demandé, il lui a repeint son salon, eh bien, Mekoudeshet, la femme sera mariée, Veimlav, Ena Mekoudeshet, et sinon, s'il n'est pas, ça n'a pas abouti, il n'a pas repeint, il a commencé, il n'a pas fini, il a parlé au gouverneur, il n'a pas parlé au gouverneur, ou bien il a parlé au gouverneur, mais il ne lui a pas fait la réduction, d'accord, eh bien, dans ces cas de figure, Ena Mekoudeshet, la femme ne sera pas mariée. Voilà, au sens simple, la Mishnah, ce qu'elle a voulu m'enseigner, donc je reprends maintenant, on va parler du cas du de peindre le salon, on va se concentrer dessus pour soulever la problématique. Donc en fait, je devais lui peindre le salon, je suis venu, j'ai peint, donc j'ai posé, apparemment je l'ai marié. Alors, la question fondamentale en fait elle est quoi? Et je la marie avec quel argent? Pour marier une femme il faut lui donner de l'argent, qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne le travail que je lui fournis? Ou bien, est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'on parle que je la marie en lui donnant une pièce? Et je pose une condition que si je remplis, si je remplis la condition, alors elle sera mariée ou pas. C'est la problématique. Au sens simple, on a l'impression que la Mishnah devait me dire, bah écoute, je devais travailler pour toi, peindre un salon, ça coûte 500 shekels, donc je te marie en fait avec 500 shekels, puisque je te donnais le travail. Au sens simple, c'est ce que la Mishnah semble dire. Mais en réalité, la Gemara explique que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Mishnah. On avait une Mishnah dans Perek Bet, avec l'histoire de l'homme qui mariait avec des dates. Il avait appris quelque chose de simple, je ne vais pas vous rallonger trop longtemps, on va parler très rapidement, concisément. Si je marie une femme en lui disant que tu vois, toutes ces pépites de chocolat, je te les donne. Et chaque fois que je lui donne une, elle la prend, elle la mange. Elle la prend, elle la mange, elle la prend, elle la mange. On avait la même chose avec les dates. Alors la Mishnah l'appelle m'enseigner qu'écoute, tu as un problème dans ce que tu as fait. C'est que tant que la femme, tu n'as pas fini de tout lui donner, alors la femme, elle n'est pas encore mariée. Or, chaque fois que tu lui donnes quelque chose, elle l'a déjà mangé, il s'est déjà dilapidé. C'est vrai que si jamais elle ne se marie pas, elle me devra de l'argent. Mais j'ai un autre problème, c'est que je ne peux pas marier une femme en lui effaçant une dette. Or, si l'argent que je lui donne, elle l'a déjà avalé, elle a déjà mangé. Ce qu'elle me doit, c'est une dette. Je ne peux pas la marier avec une dette. D'accord? On l'avait expliqué. C'est assez subtil, j'admets. Ça demande de approfondir plus dans l'étude de la Gemara. Mais le principe, il est là. Si je te dis que je vais te donner donc 10 petites pièces, que chacune elle fait une demi-prouta, 10 petites pièces de chocolat, chacune elle fait une demi-prouta, au total tu as 5 proutotes, tu as de quoi te marier. Voilà, je t'en donne une, tu manges, tu avales, ça se dit lapide, tu me donnes une demi-prouta. Et une deuxième, une demi-prouta, pour le moment je t'ai jamais donné une prouta. Il n'y a jamais eu une action que je te donnais une prouta dans les mains. La femme n'est pas mariée. Ça c'est appris là-bas dans la Mishnah précédente. Pourquoi? Parce que donc je ne lui ai jamais donné une prouta. Même principe quand je fournis un travail pour quelqu'un. Ça en réalité ne marche le cas dans la Gemara, mais on va partir pour parler dans le point de vue ultratique que Yeshta l'Isrirut Mitri Lavatsof. Quand je lui dis que
je vais lui peindre le mur et que je vais la marier. On a une question fondamentale. J'ai maintenant 20 mètres carrés de mur à faire. À partir de quand elle me doit mon salaire? Quand j'ai fini tout le mur, alors elle me doit les 500 shekels? Ou bien, non, chaque fois que je peins un centimètre carré, elle me doit un shekel, deux shekels, trois shekels. Jusqu'à que à la fin, j'ai fini les... Je sais pas, je fais le calcul combien, mais que dès que j'ai fini, alors elle va me devoir tout l'argent que je lui ai peint. Et concrètement, la Gemara explique que Yeshna l'Isrirut Mitrila Vatsof. Chaque fois que je fais un petit quelque chose, elle me doit déjà l'argent. Elle me doit déjà l'argent, même si ce n'est pas encore le moment de le réclamer. Mais j'ai pour le moment cumulé la dette. Donc, selon ce principe, il s'avère que maintenant, si je dis que je vais te marier en te peignant le mur, eh ben, ça fait une petite, une demi-prouta, une demi-prouta, une demi-prouta, une demi-prouta. Je ne lui ai jamais donné une prouta à la madame. Donc, elle n'est pas mariée. C'est pour ça que la Gemara explique qu'en réalité, on parle d'autre chose. On parle que je la marie avec une prouta, et je lui dis, je lui mets comme condition. Autant que je peux lui dire, je peux lui poser comme condition que je viens tous les matins pendant une semaine te dire bonjour, et bien je posais comme condition que je vais partir parler au Shulton, au lieu de peindre la maison, et de ce fait, si j'ai accompli, j'ai marié, j'ai pas accompli, je n'ai pas marié. Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah. Almena Cheirtse Abba, Ratsa Aav Mekudeshet Veimlav Ena Mekudeshet, Meta Aav Rezo Mekudeshet. Je traduis déjà. Je la marie maintenant à condition que papa va vouloir. Ça peut être mon père, ça peut être son père. Rachid explique qu'on parle que c'est mon père. Mais le père du Khatan. Almena, on va parler de quelqu'un qui est mort. Mon père qui vit jusqu'à 100 ans dans sa chambre. Almena Cheirtse Abba, à condition que son père va vouloir. Alors la Mishnah me dit une halakha trop évidente. Et c'est pour ça qu'il va falloir lui donner un petit peu de. Mettre un petit peu d'épices pour donner un petit peu de. Un petit peu de pile-pelle dans cette halakha. Alors, Almena Cheirtse Abba, à condition que papa va vouloir. La Mishnah me dit, ben, Ratsav, si le père a voulu, elle est mariée, mes coups d'achète. Veimlav, s'il n'a pas voulu, elle a mes coups d'achète. Et là, la Mishnah me dit une phrase un petit peu délicate. Metaav a raison mes coups d'achète. Si le père y meurt sans s'être prononcé, la femme, elle est mariée. Très étonnant, parce que le père, il n'a pas voulu. Et mieux que ça, la Mishnah continue en disant Metaben. Si le fils est mort, eh bien, on va apprendre au père à dire qu'il ne veut pas. Soit, en fait, je vous explique, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire que papa va vouloir? C'est-à-dire qu'il va vouloir activement, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'y opposer. Si vous interprétez que, à condition que papa va vouloir, donc il faut qu'il atteste, qu'il agrée les kiddushin que j'ai fait pour qu'elle soit mariée, la Mishnah ne fonctionne pas, parce que dans ce cas-là, si le père il est mort, il n'y a pas de raison de dire que la femme elle est mariée. Alors, la Mishnah me dit que la femme elle est mariée. En fait, l'Agman explique qu'on parle qu'en réalité, il a fait le contraire. Il a marié la femme en disant, à condition que son père ne s'oppose pas dans les 30 jours. Il a limité ça par exemple à 30 jours. Il a 30 jours pour se prononcer le papa, pour dire qu'il ne veut pas. S'il ne dit pas, la femme elle est mariée. Alors c'est là, comme ça, là, on réussit à lire la Mishnah très simplement. Donc, à condition que papa veuille, c'est-à-dire que papa ne s'oppose pas, par exemple pendant 30 jours, pendant 2 semaines, on lui laisse 2 semaines pour se décider. Donc la Mishnah me dit, bien, Ratsa, si le père finalement, il a voulu, c'est-à-dire quoi? Il ne s'est pas opposé, il s'est tué, elle est mariée. Si il s'est opposé, elle ne sera pas mariée. Et s'il est mort, le père, eh bien, il s'avère que la femme, elle s'est mariée parce que le père ne s'est pas opposé. Et sur ça, la Mishnah vient maintenant en continuant de donner une halakha nouvelle en disant que, attention, si Chas v'Shalom, c'est le Khatan qui est mort. Alors là, regardez le problème. Le Khatan il est mort, maintenant la femme il a déjà marié. Si jamais le père il valide le kiddushin, c'est-à-dire que cette femme-là, la pauvre, elle a été mariée, donc maintenant elle est veuve, et si elle est veuve, elle doit faire le hiboum. Alors vient la Mishnah me dit, écoute-moi, mais l'amdina avlomar shinotze, on va dans ce cas-là, on va apprendre au père, on va inciter le père à ce qu'il dise qu'en réalité qu'il ne veuille pas. Comme ça, cette femme-là, elle n'était pas mariée, elle n'est pas veuve, elle pourra se marier comme toute jeune fille, sans avoir besoin de faire le hiboum ou la khalitsa avec le frère. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, sela.